The whole of Western Africa and beyond, including my country, Togo, is subject to suffering and death caused by endemic disease. Every year, tens of thousands fall victim to diseases like malaria, respiratory infections, AIDS, diarrheal diseases, measles, and tuberculosis. Unfortunately, there are no known preventative measures for some diseases, for example, malaria or AIDS. But for many other conditions, we have vaccination. Togo's national yellow fever vaccination campaign is an excellent example of what can be achieved with respect to the health of the nation, providing the will is there. According to WHO experts, 33 African countries are affected by yellow fever. A total of 206,000 people in 12 African countries were infected by the virus in 2006, resulting in the death of an estimated 52,000 victims. What is more, it has been calculated that if no new preventative measures are put in place, there is no doubt that between 1.5 and 2.7 million people worldwide will be killed by sweeping yellow fever epidemics between the year 2008 and the year 2050. Le Togo avait bénéficié campagne de vaccination de masse pendant la colonisation, depuis les années 30, depuis que le vaccin a été mis en place, et jusqu'aux années 60, même après les indépendances, les campagnes de vaccination de masse contre la fièvre jaune ont continué. Et la dernière en date, c'est en 1984. Et depuis ce jour, nous n'avons pas eu de cas de fièvre jaune jusqu'en novembre-décembre 2006, où on a eu à notifier simultanément 3 cas dans 2 districts frontaliers dans la région septentrionale. Les 2 régions sont historiquement et épidémiologiquement connues à haut risque de fièvre jaune. Donc les 3 cas déjà qui étaient notifiés simultanément constituaient une épidémie. Un cas de fièvre jaune est une épidémie. Le chef arrive l'eau. Le chef arrive. Aïe. Le chef arrive l'eau. Le chef arrive. Aïe. Aïe. Je vous ai réuni ce matin. Pour que les autorités sanitaires compétentes puissent nous parler de la fièvre jaune et de la nécessité de la vaccination. La fièvre jaune est une maladie infectieuse due à un virus appelé virus amarille. C'est une maladie commune aux animaux et à l'homme. Et c'est pour ça qu'on l'appelle une anthropozoonose. Et le virus est hébergé par des singes dans la forêt et qui se font piquer de temps en temps par des moustiques du genre Aedes, Aedes aegypti, qui absorbent le virus et ce dernier va se développer dans son tube digestif. Et c'est ainsi que le moustique devient contaminant et transmet ce virus-là à une personne saine mais non protégée, c'est-à-dire non vaccinée. Tu peux continuer. C'est ça qu'on appelle la seringue auto-bloquante. Ça veut dire que ça, c'est pour une seule personne. Vous aspirez, vous injectez, ça se bloque. Vous ne pouvez même si vous voulez, vous ne pouvez même plus réutiliser ça pour une autre personne. La main gauche de la maman tient le bras droit de l'enfant. Ici, on fait une formation. On le fait pour les gens qui vont vacciner, les vaccinateurs, les enregistreurs et les pointeurs. C'est important parce que si on ne l'informe pas, ils peuvent aller faire n'importe quoi sur le terrain. Comme on veut que la chose soit bien faite, c'est pour qu'on leur donne cette formation. Nous avons élaboré une stratégie communicationnelle en direction des populations, en faisant comment ? En utilisant les radios de proximité, très écoutées, parce que
ces radios utilisent des dialectes nationaux. En utilisant les leaders d'opinion, tels que les chefs quartiers, les leaders religieux, les plus hautes autorités de ce pays ont procédé au lancement de cette campagne-là. Nous avons constaté que par rapport à cette campagne, il y a un engouement populaire. Le fait que pour une première fois, nous ne vaccinons plus seulement les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, mais nous vaccinons tout le monde, les hommes, les femmes de toutes catégories. Et ça, ça a été un facteur d'adhésion à cette campagne. There has been a significant investment of human resources all over the country, with more than 15,000 doctors, nurses, midwives and other health workers being mobilized by the ministry to ensure the success of the campaign. Nous avons utilisé plusieurs stratégies au cours de cette campagne. Une stratégie fixe qui permet aux prestataires de vacciner en poste au niveau de la formation sanitaire. Et après, nous faisons des stratégies avancées. L'équipe de vaccination va se déplacer, va quitter la formation sanitaire pour aller créer un poste de vaccination quelque part, soit dans une école ou bien dans un service public. On a pu aller dans les fermes les plus reculées, dans les hameaux les plus reculés, créer des postes de vaccination et vacciner ces populations-là. Ici, here, in this isolated little village, I get a real sense of how well the vaccination campaign has been perceived by the local inhabitants. We have traveled a long way to help them, free of charge, and they are very grateful. Their looks and smiles speak far louder than words. Getting vaccinated is not a meaningless gesture. It is a gesture of hope, because it can save lives. And that is something that is very well understood. Cela fait 5 jours que la campagne nationale de vaccination contre la